en l'air. Tu te retrouves face à toi-même. C'est un moment suspendu dans le temps. Tu ne penses plus. Tu es. Le parcours, c'est bien plus que du mouvement. C'est un échange, une grande famille. C'est né dans les années 90 en banlieue parisienne. Et puis ça s'est développé en même temps qu'Internet. Les mêmes valeurs sont partagées à travers le monde. Ce film, c'est un témoignage de l'unité de cette communauté. De notre communauté. Fais du parcours, tu te sens vivant. C'est comme si je volais. Je sais pas ce que ça fait de voler, mais je pense que ça doit être ça. Tu prends ton pied, quoi. C'est orgasmique. Pour moi, le parcours, c'est un miroir de la vie. Tu vois, dans les deux cas, pour passer par-dessus des obstacles, tu dois affronter tes peurs. Quand j'ai commencé le parcours, c'était avec Kevin et Dylan. On a fait tellement de choses ensemble qu'il fallait qu'on soit là. C'était évident. C'était évident qu'on soit ensemble pour ça. Donc ce tour du monde, c'était une façon pour moi de les remercier. Et du coup, on l'a fait. Bim! Ok, clap! C'est quoi, je dois payer à manger? Shields! Shields, man! Ok. Plus haut, plus haut. Oh, oh, oh! Oh, les gars! T'as pas de frein! Le mec, tu gaspilles pas un thé comme ça, mais. Ok, je vais le boire, mais. D'abord, on commence doucement. Doucement, okay. Et après. Ouais. Le gars, ouais. Il allait genre, allez, je suis un expert. Ouais, grave, tu t'as pris la confiance, toi. Non,
Hi, my name is Mohamed Mouraoui. Welcome to Marrakech. We are a family, not in Marrakech, just in Marrakech. And all the country and the Moroccan, they have a lot of people and they play in that sport. And we are a family, so we know together. My parent, I think, is just afraid for me. I am the boys in the house, you know. But the relation with my parent in that sport for is good. But maybe if sometimes my father tell me, don't do that, just stop, man. But it's okay. They understand me. I love parkour so much, so they care. En Asie, tout est différent. Les rues, le climat, les gens. On est là pour quelques jours. Mais entre le décalage horaire et les pluies torrentielles, le temps passe vite. Au dernier instant, on trouve ce qu'on est venu chercher. Une rencontre simple, touchante. Une rencontre qui ne s'oublie pas. On allait sur un des spots les plus connus de Bangkok et au bout d'un moment, il y a un gosse de grand max 8 ans. Il était là, posé, il nous regardait s'entraîner. Yeah. Et d'un coup, il est parti. Il est revenu, 3 boissons pour chacun d'entre nous alors qu'on ne le connaissait même pas. Nous, on comprenait rien à ce qu'il disait, hein, mais il est venu, il nous a tendu les bouteilles. Et avec le gros sourire, gros smile, et après, bon, on l'a pris avec nous. Putain, mais c'est sérieux? T'as bon cap? Une fois la barrière de la langue passée, on a établi un lien fort grâce au mouvement. Mais on n'en est qu'au début. Direction les temples d'Angkor.
On allait deux fois au temple d'Angkor, deux jours. Le premier jour, on est allé, on a pris un tuk-tuk, on a fait le circuit touristique. On avait un guide qui nous conduisait en tuk-tuk parmi les différents temples. On a commencé à bouger, même pas sur les temples ou quoi que ce soit, c'était vraiment genre des morceaux de cailloux posés comme ça un peu à l'arrache devant le temple. On a fait genre 5 minutes à l'entrée, bim, on s'est fait arrêter par la sécurité. Ils sont venus nous dire d'arrêter de faire ce qu'on faisait, ils ont voulu nous faire supprimer les vidéos, mais on a réussi à les garder. On n'a rien le droit de faire là-bas, vraiment rien, rien, rien. On ne peut pas courir, pas juste sauter comme ça sur place. On peut vraiment rien faire. À la fin de la journée, on était un petit peu dégoûté. On a vu des magnifiques choses avec les temples, mais il y aurait des spots incroyables. Il y avait tellement de possibilités à faire des choses sur ces spots. Et on s'est dit, il faut qu'on y retourne, il faut qu'on aille ailleurs. Et j'ai été attaqué par des singes. J'allais me tuer. Pendant qu'on était à Siem Reap, donc la ville à côté des temples d'Angkor, on a rencontré un touriste qui nous a dit « Ouais, mais les temples principaux, c'est normal, vous ne puissiez pas vous entraîner, mais peut-être vous pouvez aller voir dans les petits temples qui sont en ruine. » Du coup, on a écouté son conseil, on a loué des scouts pour une journée. Et on s'est baladé en dehors du tour touristique. Et là, ouais, c'était trop bien, paradis. Des temples, des ruines abandonnées, un peu délaissées. On a pu s'entraîner dessus sans problème, c'était juste trop bien. Singapour, c'est le paradis du parcours. Pas le temps de poser les sacs. Tout ce qu'on veut, c'est bouger. I'm Wellington, I'm 16 years old and I live in Singapore. Been doing parkour for about 3 years and it's been the best 3 years of my life. I think it was back in primary school, which was when I was 12. This kid showed a video to me and said, hey, this is what my brother is doing. I said, oh, your brother is pretty cool. I want to be like that. So I started searching tutorials on YouTube and just went out and started training. After traveling to many other places, I think Singapore has like the most number of sports. And the thing about the sports in Singapore is that they're all really close together since it's such a small country. Whereas in other countries, you have to travel like 2-3 hours to go from spot to spot. But in Singapore, you can just walk. Maze, c'est le spot probablement le plus connu de Singapour. C'est un labyrinthe en fait.
avec des murs rouges. Je crois honnêtement que Maze, c'est le meilleur spot où je suis allé. De tous les spots où je suis allé, je crois que Maze, c'est vraiment le meilleur spot où je suis allé. Welcome to Singapore and welcome to the cute, cute gym. Yeah. So this gym is Kraken Gym. The name just kind of came out of nowhere. It doesn't really mean anything, but it's about 2 years old now, and it was just an empty industrial unit, which the idea to make a gym just came out of nowhere. For designing, I just used Google SketchUp. And for building, I showed the plans to a bunch of contractors and they thought it was pretty possible, so we made it happen. Hi guys, my name is Zach. I'm 22 years old. I live in Singapore. Singapore represent. And I... What's the last question again? Since when you started parkour? Oh, okay. And I started parkour 8 years ago. Can you imagine your life now without parkour? No. I can't really, like, cause like whatever I do, the base is parkour. I started dancing, I started tricking, I started like skating. These three things, my base is still like parkour, man. Like I don't know what I will do, man, without parkour. Like really, I'm just like meant to do parkour. Après 4 jours dans une auberge, on a un avion pour la Malaisie. Mais on n'a pas envie de partir. Calvin nous propose de nous héberger. Le choix est vite fait. On est resté. Si vous allez à Singapour, il faut goûter ça. Bon. C'est le truc à goûter. Je leur ai dit, la première chose que j'ai dit en arrivant à Zach, c'est quoi le plat truc? Chicken rice. Genre, fierté nationale. Can you understand French? No. Ah, bad boy. It's like a French, man. French is pretty hard to learn. Yeah. Singaporeans have this like very closed mindset. I think it's an Asian thing. Like it's very rare to see people who actually support us. I'm very thankful for those who actually like try to understand what we're trying to do. But most of them, they just don't like how different this sport is. They just want to like see that we are hooligans. They just want to see that we are not doing the right thing. But that doesn't bring us down. We are like parkour practice.
we all practice this culture to train together. Community is very important, very, very important. You are one person doing one thing, but if you're a community, you guys can actually change what people see in parkour. So keep together as a community and make things happen. You make it. It's 6 a.m. in the morning, guys. So tired, so early, so cool. It's 6:30 in the morning on a Sunday. That's the worst part. Ok, Ryan, tu fais quoi? Préparer mes affaires. Pourquoi? Hein? Pourquoi t'as l'air dans un lit? C'est 6h du matin, on allait se coucher à 3h du matin. Et qu'on a 8h de plus qui nous attendent. Nice. Always waiting for Dylan. I miss them already. Bye, man. Yeah. And I hope we can watch. Please come. Come on, my son, Papu. Bye, man. Love you, man. Bye. 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 Sayonara. Bye. Sayonara. Bye, I'm gonna miss you. See you, Pips. No fun, man. Minutes de marche, le grand soleil s'est passé à tempête de pluie. Oh, since I was a kid, I like to jump around. I like to jump around, like climbing, jump around, go to the rooftop, but I don't know what's that. Yeah. Okay, so, but I just copy like movement from Jackie Chan's movie. I was like, yeah, fucking cool, let's just try jump like that. Hi, my name is Malik. I'm from China. I'm now in Malaysia. I'm studying here for 6 years. I started parkour since year 2008 when I was in high school. Yeah, go for it. I could have conquered. Go for it. Like very low. Malik, huh? Go very low. Yes, it's easy. Because of parkour, I met all those guys and they are all amazing. We become super good friends. It's amazing. It's because of this sport, I can make a family like all over the world, everywhere. It's just, you know, yeah, that's the thing. It's, yeah, that's the thing. It can change your life, man. Avec Kevin, on a trouvé un chat-presse à faire depuis une barre avec un...
une chute de malade. J'étais là. Aboudi nous invite à une fête familiale pour qu'on découvre sa culture. Comment tu t'appelles? In our community, we train with our Muslim friends and we pray 5 times a day. So whenever the time for prayer comes, we would always find time to stop our training and just go pray. As a Muslim, when you pray, you just want to show that you are being thankful to God for giving you everything. If you are deeply connected to Him, He would take care of everything else for you. Say it again. So this is like the Sunnah of the Prophet Muhammad, where you eat in the big what is this? Plate. Big plate, and you sharing with each other. Yeah. So it's like the sharing is the important in Muslim community. Sebab dia orang tak makan spicy juga. Tapi dia orang makan. Dia orang tak pernah tolak. The Pakoh community here in Malaysia is very united. We felt like we are a family when we train the same sport. You can always come and train with the community, and that's what. Ton rêve le plus fou t'attend. La prochaine destination, le Japon.
C'est l'hiver et il fait nuit très tôt. Mais on a combattu le froid et la nuit. On va pousser tout le monde. Ouais mon pote. On a adoré le Japon. Mais le temps défile trop vite. Direction l'Australie. Apparemment, le parcours y est bien développé. On va voir ça. Quelques temps chez Dom, qu'on a rencontré en Malaisie. Et du coup, il a fait le guide touristique pour nous à Sydney. Il nous a amené sur un spot où il y avait un chaperesse à faire. Avance pas, hein. Hein? Comment tu le sens? J'ai envie. Mec, on pourrait pas savoir à l'arrêt. C'est la première fois que je voyais mon frère autant ancré dans le parcours, mais vraiment le pur parcours. Tu te sens comment, Dylan ? J'ai envie de le faire. Et d'un coup, Dylan, il est arrivé, il a fait bon, j'y vais en premier. Yes ! I was like, no, there's no way I can catch it. Okay, j'ai pas envie de le faire. Worth it! He's done, potato. Tomato. Yoo-hoo, worth it! I want you to show me. I want to feel what love is. Hello, guys, my name is Vincent. I'm 20, I'm from Germany. We're now in Sydney, as you can see. And I started parkour about 3.5 years ago. I think I evolved with parkour in like kind of that I'm more open-minded. Parkour community is like pretty spontaneous. And I think I evolved in that way that I got like open-minded to talk to people.
I don't think I'm being biased when I say that Sydney Parkour may be one of the best communities in the world, maybe. It feels like everybody knows everyone and they train all together. There are a lot of very, very good bonds. There's a lot of friendship and there's a lot of camaraderie. Yeah, guys! Shit, that was scary. Pour notre dernier jour à Sydney, on voulait faire quelque chose d'un petit peu particulier. Alors on a été s'entraîner dans un fort militaire abandonné qui s'appelle Middle Head. On était donc les trois plus Vincent et Oscar, qui est un traceur qui vient de Melbourne à la base mais qui passait quelques semaines à Sydney. Huge. Exploration des souterrains. La fonte. Can you guys go in the front, not me? Oh, that looks stable. Oh shit, there's a step there. Did I watch it? Oh god. Whee! Oh, you feel that room? Oh, that's not good. What? You got her aim. Ah! Oh god! Il y a eu Oscar qui a eu une bonne idée. Il s'est mis dans une fosse et c'était une fosse de quoi? De deux mètres et demi, quelque chose comme ça. Le problème c'est qu'elle faisait comme ça et comme ça. Et il est rentré dedans sans se demander comment je vais ressortir. What's going on? He is an idiot. He's just stuck in there because he just wanted to explore. But yeah, he's probably going to be there to live for the rest of his life if somebody is gentle enough to give him some food. The model is stuck. This is the MJ. Come on, Oscar. Il est resté, je sais pas, 40 minutes bloqué là-dedans. Oh man, no friend. Non, non, non. Tiens bien. Hein. Oh man, non. Oh man. Yeah, okay. Come on, man. Mais moi, pour les personnes qui me tiennent, de tomber avec lui, sinon. Je vois, tiens, alors, tu me poses la carte. Mais tu vas pas y arriver. Mais il fait un climb bob sur les jambes. Mais il va pas y arriver. Mais pourquoi il y arriverait pas? Vas-y. T'as le bon, là. Et ensuite, on a été sur la partie principale du fort abandonné. Je sais pas pourquoi, mais tout le monde était super fatigué. Johan, je crois que c'était le seul qui était quand même bien motivé.
Moi, j'avais vraiment envie de m'entraîner là-bas parce que c'était un endroit super. Et je me suis forcé à me motiver. Et finalement, j'ai fait quelques lignes assez cool. Welcome to Brisbane. I'm really white. Carandache avec le pareil, mec. Ah, le con. Sorry. Ah. Je t'ai fait quoi, Kevin? Sur l'os, mec. Tu m'as pété les... pété les hanches, mec. Hi, Kevin. Nice to meet you. Hi, Elson. Hi, Dylan. Nice to meet you. You too, man. Hey, my name's Caleb Johnston. I'm 22 years old. I've been training parkour now for 9 years. I'm from New Zealand, and at the moment I am posted up on the Gold Coast, Australia. My name's Liam Cressy. I'm from the UK. I've been training for about 8 years, and I'm living in Australia at the moment on the Gold Coast. How did I start parkour? Me and a friend of mine, Marcus Wilson, we just sort of like heard about it and thought, yeah, fuck, this is cool. Yeah, I saw a group of guys doing it at my school and I searched them up on YouTube when I got home and I was like, oh, that's so cool. So I met up with them in the city and just started from there. It was a completely random decision coming here. I only decided probably 2 weeks before I actually came here that I was going to come to Australia. Like, before that, I was just stuck in a boring routine, working 6 days a week, just doing the same thing every single week, and it was just time to break out of it, so yeah. Le matin, tu te lèves, prends ton petit déjeuner, sors de la maison, tu vas dans le jardin. Un méga spot de parcours, un parcours parc que de bar. I could just walk out my back door and bang, I've got a park to train on like right here, so yeah, it's sick. Sick.
Les traceurs de Gold Coast nous ont emmenés dans un endroit où je m'en s'entraîner pour faire des acrobaties dans le sable, en bord de plage, genre comme une dune de sable comme ça. C'est une sorte de bac à mousse dans le sable. Et on a été là-bas et on a commencé. Quand tu fais du parcours, tu te sens libre.
Oh, come here. No, come visit soon. Come yeah. soon. Okay, goodbye. Comment ça, ça va être notre maison pendant 11 heures? Comment tu vis, Kevin? 11 heures là-dedans. Ça va être le plus long pull de toute ma vie. Les portes de sortie sont sur votre droite et sur votre gauche. Vous pouvez clipser votre ceinture avec le gilet. Vous avez un petit sifflet, vous pouvez siffler dessus. Et puis, ici, en gonflant, vous pouvez gonfler votre truc en soufflant. Votre truc en soufflant. Votre pote, il serait un bon style. Say something like California day one. California day one. Remarque que la communauté est presque inexistante. Ici, le parcours c'est un business. C'est juste un sport, sans ses valeurs. Mais comme dans tout lieu qui rassemble, on peut rencontrer des gens formidables. That is an abandoned military base. I can go up and check. You go check. Go check. This is your idea. No, you can just check on Google. If Andrew doesn't come back, we leave. It's it. Hi, I'm Andrew Buell. I'm 22 years old from LA, California, and I've been doing parkour for 7.5 years. Like, there will be an explosion in the air. Recombust and then explode again. Obviously, I have ADHD, so I'm very, like, distracted all the time. Parkour has really gotten me through a lot of those struggles. Through bullying, through my parents, through everything, like, fighting, anything. That it's actually helped me a lot. I honestly couldn't tell you where I'd be. I'd probably be in a hole somewhere, you know? Like, I never found the friends that I have today. And I'm thankful for that, you know? I'm thankful for all the people that I've been able to meet in the community of parkour and freerunning, so. Fuck yeah.
m'attendais à rien en allant là-bas, mais j'ai surkiffé le Mexique. ¿Te vienes a Bellas Artes? Vale, pues te espero en... Hay tipo una... Donde hay la, una estatua de Beethoven. Una la estatua de Beethoven. So, my name is Andrew Obenrader. I'm 26 years old. Started training parkour 13 years ago. I'm from Pittsburgh, Pennsylvania, United States. I'm currently living here in Mexico City, Mexico. I moved here almost 2 years ago. Dyer and Dene invited me as a special guest during one of their larger national jams with Daniel Ibaka and Yoan LaRue and Joey Adrian and some other guys. I was basically in a pretty bad part of my life. I had just came out of one of the longest relationships I've ever been in. I was engaged to be married. And outside of that, I was pretty lost as a person. Didn't know who I was, didn't know what I wanted to do, didn't know where I was going. And I came here and the community had given me so much. I basically came here for love. And that's all the people here have given me since then. Mexico has one of the most loving communities that I've ever been in, and one of the largest as well. La comunidad del parkour en México es bastante grande, es bastante unida. Sobre todo creo que la mayoría de la gente que practica aquí en México trata como de ir hacia adelante. Entonces, eso creo que es muy bueno porque de alguna manera todos vamos ayudándonos a crecer juntos.
Los amigos que tienes ahora, ¿todos son de Baku? Sí. Sí. ¿Y eso? ¿Por qué? ¿Por qué? Los amigos que tengo en este momento, ¿todos son de Baku? Sí. Todos, todos, todos. Por la razón que son personas que en el círculo hablamos de lo mismo, pensamos casi igual. Cuando tenemos algún problema, saben dar consejos sabios en respecto a cualquier tema. Y aparte son personas como muy abiertas, en las cuales puedes confiar, te identificas rápidamente con todos ellos. Y te pongo un ejemplo. Hace unos meses estaba como súper confundida de qué quería hacer. Dane Marmolejo me daba clases y me podía acercar con él y decirle, oye, ¿sabes qué? Es que tengo un problema, no sé qué hacer de mi vida, no sé para qué soy buena, no estoy perdida completamente. Y él me pudo orientar un poco acerca de lo que podía hacer. Y ese tipo de consejos no los encuentras a lo mejor en un profesor de historia, porque no sabe ese profesor quién eres realmente fuera de la escuela. En cambio, mis amigos que están como constantemente en mi entorno, entrenando o practicando, nos conocemos tan bien que podemos llegar a ese punto a decirnos las cosas como van y le dan justo al clavo. En momentos muy fuertes, en momentos muy duros, siempre hemos estado ahí. Y eso es lo que nos hace ser como incluso hasta familia. Tus amigos se vuelven tu familia sin querer. Convives más tiempo con tus mejores amigos que con tu propia familia. Incluso llegas a confiar más en ellos que en tu familia. Entonces son personas increíbles. Entonces amo mis amigos. Là-bas, on a pu dormir chez eux. Bueno, mi nombre es Alejandro Laverde, soy de Perú y vengo entrenando parkour desde el 2010 y como ya es 2017 han sido como 7 años. Primero me contactó a Arturo Pocutay y me dijo que habían 3 tipos de Suiza que iban a estar una temporada en Lima y en parte que necesitaban un lugar donde quedarse. Y es como, me pareció lo más lógico que si tengo una escuela en la que hay espacio para gente, para que se puedan quedar, me pareció muy obvio.
Bueno, en el tiempo que llevo practicando he conocido a mucha gente afuera. Me han mostrado muchas formas de ver el mundo, muchos. Pero siempre hemos tenido esa misma base, ese mismo espíritu que. Y en verdad creo que si uno conoce a un tracer, conoce ya a todos. Es como que en verdad son todos iguales, somos todos lo mismo. Solo que tenemos diferentes experiencias, hemos visto diferentes cosas. Arriba, atrás, rodillas. Ok. Y lo demás me encargo yo. Lima Tracers como grupo ha estado entrenando gente desde el 2009. Si nosotros no movemos esta disciplina dentro de nuestro país, nadie lo va a hacer. Por eso ya desde noviembre, desde el 2016, hemos empezado con este proyecto que es la escuela física. Yo doy clases en esta escuela, lo hace Diego Finrandi y lo hace un amigo que también lleva entrenando más tiempo que yo. Marco Roncal. Y mete tu cabeza, mete tu cabeza, mete tu cabeza, mete tu cabeza, mete tu cabeza. ¿Lo sigues? Ajá, estírate un poquito ya. Y en un inicio es como que, ya sea por gente que ha llegado de afuera que nos han dicho tienen que hacerlo ustedes, estábamos un poco temerosos. Es como que de todas formas es invertir tiempo, es invertir dinero, es invertir parte de tu vida que podrías usarla para estar más seguro, más seguro como persona. Pero teníamos que hacerlo porque creo que los tres sentimos una deuda hacia esto. Siento que me ha hecho crecer como persona y siento que debo devolverlo. On a été visiter une discothèque abandonnée. C'était un spot de ouf, c'était trop trop bien. What's going on? These dogs and yes. No, but about tonight. We must to climb the shit. Fuck bitches, get money. And fuck bitches, get money. Quand on arrive à Lima, il y a Alejandro, donc notre hôte, qui nous avait dit mon rêve c'est de monter sur cette tour abandonnée là. C'est l'édifice le plus haut de Lima. Le dernier soir, on était prêts à dormir et on s'est dit non, on reste éveillé jusqu'à 2h du mat et on va escalader cette tour. Vamos. Listo. Si. Du coup, on a pris des cordes, on a pris un peu du matériel pour pouvoir grimper sur cette tour. Sí, de fait. No tenías? No, o sea, sí, por eso. Là-bas. Tu crees? Sí, sí. Bueno, vamos a intentar. ¿Y cuál? Sí. Va a ser terreno Ah, il y a une porte.
métallique, tu peux l'escalader comme une échelle. Tu montes, je suis un peu mûr, tu montes, mais tu peux bien faire. On a passé 4 mois loin de chez nous à faire le tour du monde, à rencontrer plein de gens. Le parcours, c'est une grande famille. Peu importe de quel trou tu sors, tu vas n'importe où à des traceurs, tu seras toujours bien accueilli. Ce sport, c'est pas un sport comme les autres, il réunit tout le monde. High five.
Milan. Milan. Je vais marquer. Ta-da!